Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi 23 octobre et le thème ultime de ce jour est la venue ultime du Fils de l'homme. Après avoir enseigné hier sur la bonne attitude à avoir face au bien de ce monde, le Christ poursuit sa parabole sur le thème de la vigilance et de la fidélité. En route vers Jérusalem où il vivra sa passion, sa mort et sa résurrection, l'attente, le retour du Christ pour le disciple qui attend sa venue doit se faire dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. C'est donc en se mettant au travail, en allumant la lampe, en ouvrant la porte de son cœur qui devait attendre le retour du maître que le disciple est reconnu. Le veilleur lucide qui attend fidèlement son maître sera récompensé et sera récompensé en s'attablant avec lui et même choyé, se voir servi par le maître. Dans tous les aspects de notre vie, le Seigneur est là. Il vient dans sa parole proposer chaque jour. Quelle est mon attitude à l'écouter, à allumer le feu de la prière? Il vient dans tout homme qui a besoin de moi pour l'ouvrir ma porte. Quel regard et quel geste devant l'homme affamé, devant l'enfant qui tend la main au feu tricolore et au qui nettoie mon pare-brise. Il vient aussi dans l'église en marche communionnelle. Il vient dans les événements de notre vie qu'il faut déchiffrer. La guerre, les conflits. Quelle est ma position devant ce qui menace le monde, notre humanité? Seigneur, donne-nous la garde des sens à n'importe quelle heure pour que ta venue ne nous surprenne pas dans l'improviste, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.